Alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour le RPG, numéro 26, cela va de soi. Petit préambule, peu ou tous d'entre vous savez que je suis rendu maître de jeu, maître de cérémonie, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour une partie de masque sur le Discord des aventureux, mais tu sais, je veux dire, avec des joueurs que j'ai trouvés là, c'est streamé sur Twitch, peut-être, je pense, mais en tout cas, c'est sur YouTube aussi, ça c'est gracieuseté de mon oncle Marc, je vais mettre ces liens en dessous, si je pense, sinon, vous me rappellerez à l'autre, si vous voulez les écouter, et tout. J'avais décidé en décembre, fin décembre, là, tu sais, résolution de nouvelle année, go man, vas-y, même si tu connais pas exactement toutes les règles, c'est pas grave, d'où ma dernière question, c'est pas grave, tu peux te garocher, vas-y, le pire qui peut arriver, c'est que tu te plantes, mais avec des joueurs qui t'aident et qui t'apprécient, ça te permet de te garocher, puis d'y aller sans filet, puis tu sais, on va y aller quand même relativement lentement, on va garocher. Dans les quelques 4 ou 5 parties que j'ai fait, il y en a une que j'ai pas été satisfait. Mais les joueurs m'ont dit qu'ils étaient satisfaits, mais pas moi. Puis c'est ça, c'est comme j'ai dit, il y a juste celle-là que j'aime pas. Puis c'est pas vraiment grave, mais ça fait partie des trucs de la vie. Tu peux pas être satisfait à 100% de tout ce que tu fais. Tout ce que tu peux faire, c'est recommencer. Continue. Puis c'est ça. Puis comme je disais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais c'est pas en forgeant qu'on devient des nains, hein? Danny, n'est-ce pas? Puis c'est là que j'ai enfin retrouvé ma... je suis en train de retrouver ma vibe que j'avais quand j'étais plus jeune en tant que maître de jeu. Que, en gros, ce que je fais, c'est que j'ai l'air de placer des événements anodins qui arrivent pendant toute la partie. Que quoi que ce soit, tu sais, des trucs qui ont l'air what the fuck weird. Mais les joueurs savent pas où est-ce que ça s'en va. Je dirais que même moi, des fois, je sais pas où est-ce que ça s'en va. C'est juste qu'à un moment donné, dans ma tête, il y a une idée qui arrive, dit, hey, c'est des éléments-là, là, ils vont ensemble. Puis c'est ce lien-là qui arrive, qui est prend, qui est rapproche. Tac, c'est raccordé ensemble. Cool, parfait. C'est-à-dire, faut que tu bloques ça dans la partie, par exemple. Faudrait qu'il tombe dessus. Là. Ah, ok, ouais, t'as raison. Mais ce qui arrive, c'est ça. Est-ce qu'il y a une question du RPG A Week numéro 26? Racontez-moi une anecdote où vous vous êtes surpris. Oui, en rapport avec les RPG, s'il vous plaît. Ça peut être se surprendre autant par autant à cause de votre ingéniosité que, c'est comme, des bonnes idées, des trucs, c'est comme... Racontez-moi une anecdote où vous vous êtes surpris, où tu t'es dit, ouais, ok, tu sais, quelque chose que t'es fier de toi, là. C'est ça, c'était ma question d'aujourd'hui. Puis, c'est en vous souhaitant une excellente journée, soyez prudent sur la route, on est encore l'hiver, il risque d'avoir encore un peu de neige qui s'en vient. Alors, bonne journée, au revoir.